regarder mon sens faire, c'est inacceptable. Mon bon camarade syndicaliste pour élaborer l'eau là. Sa défaillance institutionnelle là, lié un item très important, HR Corporate Plan, qui est à mon sens depuis quelques temps, fin mal géré, quand il bloque nous, succession plan, ben employé, même par le planning, il finit par être stérilisé dans le compagnon, car il n'y a pas bloqué définitivement la cause, il est impacté, et normal, du point de vue de l'impact dans ce que nous appelons establishment. Conséquences économiques qui ça engine là et n'a l'eau la compagnie. Il n'y a pas que l'eau la compagnie, il y a aussi l'eau ban consommateur. Quand on dit consommateur, ce n'est pas seulement le passager. Parmi les consommateurs mauriciens, il y a beaucoup de consommateurs qui consomment des produits qui viennent par avion. Ça, le consommateur là peut payer le prix de hedging. Donc, il paye une conséquence sur l'économie. Pas que l'eau est à mon recherche. Il paye une conséquence sur le sac produit qui peut passer par avion pour un port Maurice. Est-ce que le syndicat et le travailleur est à mon recherche pour besoin aller jusqu'à la grève? Un côté, il y a un qui décide. Un côté, il y a un qui exécute. Et ça m'a dit que l'exécuté là, nous avons dit faire n'importe quoi. Hein. Par exemple, il y a un travailleur, un chauffeur, qui peut viser un passement gate, contrôle, avec un changement, dans le pénal la connaissance du contenu, mais il y a une procédure qu'il met en place, et faire autre faire si il y a une forme, comme quoi, je suis au courant contenu que je peux sortir. Et si dans les conférences de presse là, nous pouvons dénoncer une pratique pareille, quand vous avez un formulaire qui va dire une grande opération, vous êtes signé. Comme quoi, ça peut donner votre consentement, qui est certifié, qui va un storage compartment dans votre véhicule, une checké et qui peut n'en rien là-dedans, alors que vous n'avez pas l'occasion de faire ça, mais c'est bien grave. Et il y a un drame humain qui peut préparer. Qui peut organiser. Parce que tout mon rapport au dit HR qui est là, le syndicat n'a pas gagné accès. C'est arrivé. Qui est là qui syndicat le rapport là? Mais c'est parce que mon rapport là, qui est là dans le passé, je tout met en cause management. N'est pas capable de mettre public. Comment peut être ça public? Puis un criminel, ça dépousse en 10 moun là, là. Pas pour capable de mettre ça public. Alors nous organisons un drame humain. Nous commençons à travailler et nous avons trop beaucoup. Là, Pénacillo, Pénacillo, qu'on va dérouler, pas capable de jouer, Pénacillo, un peu de pipi pour protéger les matières d'un jour. Inacceptable. Dès le moment qu'on est employé, pas gagné une crimette, Pénacillo, sponsor les courses, pas de combien de millions au pays. Je veux bien répondre. Pénacillo, l'hôtel pour que ça n'a pas de protéger les premiers ministres. Je veux bien répondre, Pénacillo. Moi, je dis comme ça, tu dois faire l'audit dans tous les départements. Tous les départements, tu dois faire l'audit. L'audit n'est pas qu'à faire 6 ans quand vous faites IWASH. L'audit, tu dois faire dans tous les départements et répondre. Tout manager, tout CEO, tout le monde, il vit une partie. Combien de cas on gagne en termes de duty travel, PDM. Publiez ça et amène tout résultat. Et vis-à-vis d'une GIA intersyndicale, actionnaire, combien de cas il fait constant et qui vient amener. Mais travaux là, il y a un changement dans Air Mauritius. Parce que jamais nous finissons autant de syndicats qui ne rassemblent les autres avec autant de propositions et de griefs. Si les autorités ne prennent pas les dispositions nécessaires, qui nous perdent carrément vers l'action syndicale d'envergure dans l'aéroport. Sur quoi il faut se battre? D'abord, empêcher qui va dire qui fait tôt à Air Mauritius, retourne à Air Mauritius. Qu'il soit au niveau du board, qu'il soit au niveau du management, il est très nécessaire que de nouvelles personnes assument des responsabilités, ce ne sont pas les mêmes qui viennent avec les mêmes pratiques. Gouvernement, dans son manifeste électoral, dit-il,
qui est pour travailler en collaboration avec le syndicat. Quand nous faisons ça aujourd'hui, pas juste dans l'air, mon richesse, partout, le syndicat n'a pas fait consulter du tout. Nous envisageons l'école efficace d'aviation, quand nous sommes capables de donner formation à tous nos bacs personnels qui travaillent l'avion. Qui fait numéro 2 chairman pour discuter un plan stratégique, une décision stratégique urgente pour nous redresser la compagnie. Je vais faire un appel au Premier ministre, je vais faire un appel au ministre de la bonne gouvernance d'intervenir pour nous faire une table ronde pour des discussions directes, des discussions francs et honnêtes dans l'intérêt des Mauritius, dans l'intérêt tout bonne partie prénom de l'île Maurice. Ben petit travailleur manuel qui gagne 7 200 salaire de base, ben staff qui gagne 10 000 salaire de base qui ont été mis à la porte, et n'est pas normal. Et n'est pas normal, surtout quand le TMN, l'île gagne 75 000 roupies, 10 pour l'essence. Nous avons fait un appel pour cette table ronde-là, qui disposait Vini, urgent, immédiat, de la part du gouvernement, de la part du board. Si l'affaire, il vous brise de la grève, il vous malheureux, qui est amoureux, ce syndicat, et que ce bon travailleur, va le faire, elle la grève.